うん。 Bonjour à toutes et à tous. Euh, merci de m'accueillir. Je suis donc Erwan Quesar, cofondateur d'une entreprise sociale et solidaire qui s'appelle Simplon.co, dont on parlera un petit peu après, tu as brillamment introduite. Euh, et du coup, aujourd'hui, on va parler de langage, parce que forcément, vous avez compris qu'il y a de l'informatique là-dedans, surtout de la programmation. Programmation informatique, programmation logicielle, développement web et tout ça. Et comment on fait tout ça ben Avec des langages. Des langages qui ne sont pas du langage naturel, langage humain, mais euh, des langages qui permettent de se faire comprendre des machines et de créer des choses. Voire, de, comme Régis Debray appelait ça dans sa médiologie, de faire afin que les idées deviennent réalité. Euh, on va y revenir. Avant tout, j'aimerais bien qu'il y ait une personne dans cette salle qui euh, lise cette euh, ligne de code à voix haute, qui se dévoue. Rosana. Pas Rosana. Allez, c'est le matin, euh, Creative Morning. Là. Allez, vous. Mince, en plus ça avance tout seul. Bon, ben je vais le faire. Exit unless restaurant include aura. Ok. Mais On ça c'est... En, oh, en anglais, comme ça, juste un mot. Exit unless restaurant include aura, aur a on est loin des 0 et des 1 qu'on imagine, comme dans la matrice et tout ça, cette espèce de langage binaire, indéchiffrable, hyper abstrait. Ça, c'est du Ruby, c'est un langage de programmation qui, euh, là, dit à un programme, sort, à moins que le mot restaurant n'inclut AURA. On est très proche du langage humain. Et c'est ce qu'on trouve intéressant, en fait, chez Simplon, c'est que euh, à l'origine, le langage informatique, c'est quoi C'est des 0 et des 1, en effet. Mais les informaticiens qui vont faire votre site ou votre appli ne vont pas taper des 0 et des 1 pendant des jours entiers. Sinon, on leur facture à 700 euros jour-homme serait vraiment légitime. Et elles le sont d'ailleurs. Non, ce qu'ils font, c'est qu'ils écrivent ce genre de choses. Mais à la base, les 0 et les 1, c'est juste la manière qu'a l'électricité pour communiquer avec le métal qu'il y a dans les ordinateurs et les machines. Ça veut dire éteint, allumé, allumé, éteint, 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 allumé, éteint, 0, 0, 1, 1 0, 0. Et c'est comme ça que, un peu comme le morse en fait, l'électricité arrive à faire passer des messages des niveaux très 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 proches du métal, comme on dit dans les machines, pour pouvoir faire tourner des processeurs, faire réfléchir ces machines-là. Enfin, Quoique, elles ne réfléchissent pas, elles pensent pas, elles ne font qu'exécuter, en fait. elles exécutent des ordres. Et puis, forcément, il y a un moment où ils en ont eu marre, les informaticiens, de faire des 0 et des 1. Donc ils ont créé des langages qui créaient des règles, des généralités, et qui permettaient d'écrire moins, d'écrire plus concisément, de faire des choses de manière plus automatisée, pour ainsi dire. Donc, euh, ils automatisaient l'automatisation, ce qui fait que de couche en couche, ben, on se retrouve avec des langages qui ressemblent à du langage humain. Et ça, ça veut dire quoi aujourd'hui Ça implique quoi ben, Ça implique qu'il y a ce qu'on appelle, chez nous, la commoditisation des moyens logiciels, des moyens de production logiciels. Qu'est-ce qu'on entend par là, avec ce barbarisme La commoditisation, c'est un phénomène, un enfin, processus économique en général, qui désigne le fait qu'un bien de luxe, un bien rare, devienne un bien de grande consommation. Par exemple, la télévision dans les années 30, c'était un bien de luxe. Aujourd'hui, une télévision, vous pouvez en avoir pour 5 euros chez Emmaüs, même 9, 15 euros dans certains magasins. Et euh, nous, on a l'impression que cette, ce processus de commoditisation s'applique aux moyens de production logiciels. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des langages qui sont beaucoup plus accessibles à l'apprentissage pour tout un chacun. Pour tout un chacun, pour peu qu'il y ait de la motivation, des aptitudes, une réelle envie de faire tout ça. Tous codeurs, nous, on n'y croit pas. Tous développeurs, tous informaticiens. Et on se demande si ça a vraiment du sens. Par contre, quelqu'un qui a vraiment l'envie, quelqu'un qui comprend un minimum tout ça, euh, peut tout à fait, sans avoir aucun diplôme, bah, apprendre ces, euh, ces manières de matérialiser des idées, ces manières de créer de la réalité avec du langage. Ça s'approche pas mal de la magie, hein, la technologie, souvent. Et la programmation, euh, encore plus. Et la commoditisation des moyens de production, c'est marrant qu'il y ait Squarespace qui, euh, qui, qui, euh, qui sponsorise cet événement parce qu'on adore Squarespace pour le coup et en France c'est assez peu utilisé malheureusement. Il y a bubble.is aussi qui permet, en fait tous ces outils-là permettent de faire des applications, enfin des sites en tout cas des sites web, voire des applications web, voire des applications mobiles sans même coder. Tu peux programmer en langage naturel. S'il se passe ça, alors il se passe ça. Si je fais ci, alors il se fait ça. Vous savez, c'est un peu comme Zapier et IFTTT, ces applis qui vous permettent de dire si j'ai un mail avec ça dans le titre, alors tu me crées une tâche dans ma liste de tâches et tu tweets à ma maman que je suis à la maison, par exemple. Et euh, typiquement pour nous, c'est aussi ça, la commoditisation des moyens de production. C'est le fait que si je, veux, si je veux produire du logiciel, si je veux produire un site, si je veux produire une appli, si je veux produire un projet qui donnera peut-être lieu à une start-up, si je veux produire un objet connecté même. Ben, je me pointe dans un Fab Lab, je m'arme de courage, j'apprends un minimum comment chercher sur Internet, je vais chercher des tutos, je vais chercher à comprendre, je vais m'accrocher en autodidacte et potentiellement, ben, je peux sortir un prototype en quelques semaines d'un objet connecté alors que je n'avais jamais tapé de ligne de code avant. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est accessible. Voilà ce qu'on appelle la, la commoditisation des moyens de production. Et derrière, il y a toute une histoire aussi des langages, parce que ce qui est intéressant, c'est que les langages de programmation, ce sont des langages. Des langages qui ont leur syntaxe propre, des langages qui ont leur caractère propre, des langages qui ont leur culture, même parfois il y a des communautés de développeurs derrière chaque langage. Euh, par exemple, le langage Java, tout le monde a dû en entendre on entend parler, le langage Ruby, le langage PHP, JavaScript, HTML, CSS, ce pas vraiment des langages de programmation, c'est plutôt pour décrire ce à quoi doit ressembler le site. Les langages de programmation, c'est vraiment ce qui te permet de donner des ordres, des suites de commandes à des machines afin que, automatiquement, bah, fassent euh, ce que tu leur demandes. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple le langage Ruby, ça a été pas une révolution, mais un peu quand même. Le langage Ruby, c'est un, un japonais qui s'appelle Matsumoto, qui a créé ce langage euh, autour des années 2000. Et son, 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 son mot d'ordre, son slogan, c'était Programmer's Happiness, le bonheur du développeur. Pourquoi Parce que le métier de développeur c'est hyper frustrant. Il faut vraiment avoir une résilience euh, au fait que ça ne marche pas. Ça ne marche jamais, ça ne marche jamais. Tu cherches des solutions parce que tu as tout le temps des problèmes. Et puis en fait, à un moment, tu fais ça ne marche pas, je ne comprends pas. Tac. puis d'un coup, ça marche, tu fais ça marche, je ne comprends pas. Pourquoi <laughs> Et du coup, Matsumoto a créé un langage, Ruby, qui est élégant, on le qualifie souvent d'élégant, qui est concis, qui est euh, comment dire même à l'œil, ça se voit dans la, enfin dans la syntaxe, c'est très clair. Il y a des blocs et qui permet surtout de réaliser des choses assez rapidement. C'est-à-dire que ça a été créé à un moment où il commençait à y avoir, enfin, où Internet était déjà très répandu, où il commençait à y avoir le web et où on se rendait compte que 80% du temps, ben, les applis font plus ou moins les mêmes choses créer un compte, se géolocaliser, mettre quelque chose dans un panier. Donc pourquoi toujours reconfigurer et recoder les mêmes choses Pourquoi ne pas faire des conventions qui font que tu peux plus rapidement développer une petite appli Ruby a un échafaudage derrière. Derrière ce langage, il y a un espèce d'échafaudage qui permet d'écrire du langage codé plus vite. qui s'appelle Rails, comme des rails. Et ce sont des rails qui encadrent ce que tu fais et qui t'amènent là où tu veux. Et dans Rails, dans Ruby, tout ça, il y a ce qu'on appelle des gemmes, comme euh, des gemmes précieuses. Et les gemmes, ben, c'est des espèces de briques que tu peux installer, modifier. Ah, j'ai besoin de faire la géologue sur mon, sur mon appli web. Bon, ben, au lieu de tout réécrire depuis le début et de réinventer la roue, ben, je vais prendre cette roue-là, je vais la démonter un peu, je vais changer deux, trois choses dedans, et hop, c'est bon, j'ai ma brique qui fonctionne sur la géolocalisation. Donc c'est un peu la caractéristique du langage Ruby. Par exemple, Twitter, Airbnb, Groupon ont commencé sur Ruby. Et ça, pour nous, c'est aussi de la commoditisation des moyens de production logiciels. Parce qu'il y a encore 10 ans, il y a encore 15 ans. Quand on voulait développer, on va même dire 20 ans. Quand on voulait développer le moindre site internet, site e-commerce, il fallait 10 ingénieurs, 3 hackers bien armés qui allaient y passer des semaines entières. Aujourd'hui, n'importe qui, avec des outils comme Squarespace ou autre, peut faire son site e-commerce en même pas deux heures. Après, bien sûr, ce sera moins sur mesure que si on développe. Mais surtout, n'importe qui peut au moins essayer d'apprendre la programmation parce qu'on est loin des zéros et des 1 et des langages hyper complexes qu'on avait dans les années 70, 80, 90. C'est plus accessible. Et aussi pour conclure sur cet esprit des langages de programmation, il y a tout un tas de langages qui ont. Je vous conseille de regarder des bandes dessinées qui s'appellent XKCD. XKCD, c'est sont des bandes dessinées, des comics sur la programmation, sur les nerds, sur les geeks, où il y a souvent des caricatures de langages, par exemple, le langage. Le langage Perl, c'est un peu la vieille tante un peu folle et tu ne sais pas pourquoi elle réagit comme ci et comme ça. Parfois, il y a des langages où il y a de la magie noire. Parfois, tu programmes quelque chose et tu ne sais pas pourquoi, ça fait des effets auxquels tu t'attendais pas. Java, c'est un langage qui est connu pour être un peu verbeux. T'écris et t'écris et t'écris et t'écris, c'est très bavard. Et comme disait Bill Gates, mesurer la qualité d'un logiciel au nombre de lignes de code qui sont écrites, c'est comme mesurer la qualité d'un avion à son poids. Plus il pèse lourd, meilleur est l'avion. En programmation logicielle, c'est pareil. En général, quand il y a beaucoup de code, ce n'est pas parce que ça a plus de valeur. Souvent, quand c'est concis et qu'il n'y a pas beaucoup de choses écrites, c'est justement parce que c'est écrit intelligemment. Parfois, en une ligne de code, on peut s'éviter des milliers de lignes de code. Donc voilà, nous, on aime bien Ruby, parce que c'est un langage qui nous a permis, aux origines de Simplon, d'ouvrir les champs de la programmation logicielle à des publics qu'on voit jamais dans le coin. Je m'explique. Ça, c'est Andrei, ça, c'est Fred, ça, c'est moi. Ce sont mes deux cofondateurs. Et avec André, en fait, en 2008, ben, on avait monté une petite agence web. Euh, on travaillait pour des petits clients, petites entreprises, des assos, puis des moyennes entreprises, puis des grandes entreprises. On faisait des sites Internet et des applications web, des applications mobiles, un peu de community management, un peu de tout ça. Et en fait, avec André, on est tout sauf ingénieur. J'étais même anti-technologique à la base, j'étais ludite. Vous savez, les gens qui cassaient les machines dans les usines au 19e siècle pour pas que les gens se fassent, pour pas que les ouvriers se fassent automatiser et remplacer. J'étais un peu comme ça. Andrei, lui, il était à cœur autodidacte disons. Il faisait sauter les ordinateurs de la salle informatique au Celsa, l'école où on était, quand, quand on avait marre de faire des choses qui ne plaisaient pas sur Excel. Voilà, merci Andrei. Okay. tous les ordis, écran bleu. Mais bon, en 2008, quand on s'est lancé, Andrei, <coughs> il faisait un petit peu de langage Flash. C'est pas une super technologie. Mais on s'est lancé quand même dans cette aventure de créer des sites et des applis pour des clients. Et en fait, on s'est rendu compte au bout de trois ans que ça marchait bien, qu'on avait tout appris tout seul, que ce soit la création de sites, que ce soit la création de contrats avec des clients, que ce soit la gestion de projets, que ce soit la prospection. On, on s'était auto-formé sur un peu tout. Et donc, au bout de trois ans, on s'est dit, et surtout qu'au bout de trois ans, c'est là qu'on a découvert le langage Ruby, qui nous a fait nous dire oh, bah en fait, on peut faire des trucs 100 fois plus puissants que ce qu'on faisait avant. Et en plus, c'est assez agréable à apprendre. Et en plus, on est en 2012, il y a des MOOC, il y a de l'e-learning, il y a des communautés hyper dynamiques en ligne, il y a de la solidarité en ligne, la culture des développeurs. Il y a aussi des technos comme Ruby, mais pas que, qui permettent d'aller plus vite, de faire des choses plus puissantes. Et si on crée un environnement qui permette à des gens qui sont motivés, qui ont tout le potentiel d'apprendre tout ça, bah, d'apprendre en auto-apprentissage, mais facilité. Faciliter leur apprentissage, leur donner l'occasion de donner le meilleur d'eux-mêmes sur un temps court pour devenir développeuse, développeur ou autre métier du numérique. C'est comme ça qu'a germé l'idée de Simplon dans nos têtes. Parce que Simplon, pour le résumer, c'est une formation qui a plusieurs particularités. Une formation sur la création de sites internet et la création d'applications web via les langages de programmation HTML, JavaScript, PHP, Ruby. Donc, une formation sur tout ça qui a la particularité d'être intensive par la pratique en six mois, qui a pour particularité d'être gratuite pour les gens qui la suivent, et qui a aussi pour particularité d'être ouverte en priorité à des profils qu'on ne voit jamais dans le métier. Des gens qui ont tout le potentiel, tout le talent pour faire ça, toute la motive, mais qui sont des personnes qui ont peu ou pas de diplôme, des personnes qui sont en recherche d'emploi, des personnes qui sont originaires de quartiers prioritaires ou de territoires ruraux. Euh, des seniors, des personnes en situation de handicap, des réfugiés politiques aussi, et ce avec un objectif de parité homme-femme très marqué, parce qu'on croit souvent que c'est un métier de mec, le euh, métier du numérique, et ça, ce sont des bêtises. On a même une promo où on n'a pas la parité parce qu'on a 70% de profil féminin. Et je peux vous dire qu'elles envoient le steak sur le code. c'est La formation Simplon, Ils font du Java par contre les pauvres. Le langage verbeux. Bon, je ne vais pas faire de guerre de chapelle. Hein, je... Bref, voilà ce qu'on fait chez Simplon. Et je vais rapidement donner quelques exemples de ce qu'on fait avant qu'on revienne sur la problématique du langage. J'aime bien cette image. Sur cette image, en fait, il y a 15 jeunes originaires d'un quartier sensible de Villeneuve-la-Garenne, dans le 92, qui sont en train de donner un cours de langue, pour le coup, un cours de langage, à 20 étudiants d'HEC. Donc voilà. La plupart d'entre eux n'ont pas le bac pas développeur hein, quelques mois avant, et là ils forment des HEC qui cherchent à comprendre le langage du numérique, à comprendre le, la programmation, comment on fait des applis, parce qu'ils ont tous des idées de start-up en tête, et ça a hyper bien marché. Là c'est un peu la même configuration, il y a Signe, il y a Rodolphe, il y a mori, il y a Ben, qui sont en train de former les membres du comité exécutif d'Orange France. Donc le directoire, DRH, DSI, DIRCOM, d'Orange France, qui sont venus s'immerger dans l'agilité, les technos de rupture, les objets connectés et toute cette nouvelle façon de programmer qu'il y a aujourd'hui avec les simploniennes et les simploniens qui étaient aux manettes. C'était assez marrant de voir parfois Yacine qui faisait Mais vous avez fait Polytechnique, vraiment C'est simple ce que je vous explique. Hein, fonction, rubis. Oh ouais, ils sont brillants, vos jeunes. Et puis bien sûr, là, vous l'aurez compris, au-delà de juste euh, voilà, permettre euh, ben, au, au comité exécutif de s'immerger dans notre ancienne usine, comprendre tout ça, au-delà de permettre au simplonien de mettre sur le CV « Oui, j'ai été formateur pour le comité exécutif d'Orange », il y a aussi un enjeu derrière de faire travailler des profils qui autrement ne se seraient peut-être jamais croisés. Et typiquement, la, la DRH d'Orange France, qui est vraiment une personne super, bah derrière, on échangeait sur « Mais comment en fait, recruter ce type de profil ?»« Comment recruter, euh, enfin comment mettre les bons dispositifs en place pour, pas de, pour ne pas se fier qu'au diplôme et pour tracer les compétences ?» Bref. Benjamin qui, au bout de quelques mois de code, a développé un robot chez Ici Montreuil, un Fab Lab de Montreuil, un robot qui animait parfois des émissions sur Radio Nova. Voilà, Les objets connectés, c'est aussi une manière de mettre le langage en action dans la réalité. Donc le robot, il disait deux, trois bêtises à l'antenne, il pouvait faire des mouvements comme coucou, Usain bolt, des choses comme ça. Et euh, par contre, on ne l'a pas maintenu, donc là, il doit être comme ça. Il faudrait qu'on reprenne le projet. Un exemple de plus. Et d'ailleurs, je dois préciser qu'Ici Montreuil, le Fab Lab, c'est une entreprise sociale et solidaire aussi. Qui a toujours, on cherche toujours à faire du numérique, un levier d'inclusion sociale, de cohésion sociale, d'insertion professionnelle, d'impact social, d'utilité sociale. Bref. Nour, Alix, Roger, Mehdi, qui donnent souvent des cours aux enfants. C'est Simplon kids. On leur apprend à ces enfants-là, non n'ont pas à développer des, direct, des trucs en JavaScript et tout. On leur apprend plutôt à programmer sur Scratch. C'est un logiciel pour apprendre, pour les enfants, mais à Harvard, en computer science, il commence par Scratch, c'est vraiment un super logiciel. Et le mot d'ordre du Kiss Coding Club, c'est programmer plutôt que d'être programmé. Devenir acteur de la machine, devenir créateur grâce à la machine, et non pas simple consommateur passif, admirateur. admirateur. Et là aussi, il y a des problématiques de l'engagement, on y reviendra à la fin. Et pour précision, d'ailleurs, on a, on a lancé la semaine africaine du code, parce qu'il y a la Code Week aujourd'hui. Apprend le code informatique un peu partout dans le monde pendant une semaine. On a lancé la, la semaine africaine du code, donc il y a eu 89 000 enfants sensibilisés en deux semaines. C'est incroyable en fait l'écho que ça peut avoir quand tu proposes à des, à des gouvernements, à des structures, à des assos de toucher à ça. Tout le monde sent qu'il se passe quelque chose derrière ce, ce langage performatif et matérialisant qu'est la programmation informatique. Voilà, ça c'est chez nous. Notre ancienne usine à Montreuil à laquelle vous êtes toutes et tous invités. Bon, ça c'était avant, quand on est arrivé en 2013, avant qu'on soit une entreprise sociale et solidaire, on était une entreprise sociable et suicidaire. On s'est jeté dans ce, ce truc en ruine. Il fallait qu'on aille taxer des sous à des potes, à un banquier qui partait de la banque trois semaines après. D'ailleurs, on bien dire ça. fait, je comprends rien à ce que vous faites, mais ça a l'air bien, les jeunes. Allez, c'est un entrepreneur à côté. Et aujourd'hui, surtout, ça ressemble à ça, pardon. Donc les Simploniennes et les Simploniens, voilà, des gens qui ont de 18 à, je crois que le doyen avait 62 ans à Roubaix. Euh, qui euh, sont à 95% de personnes en recherche d'emploi, 40% de profils féminins, 50% de personnes originaires de quartiers prioritaires, quartiers politiques de la ville, euh, 20% de personnes originaires de zones rurales, euh, et surtout 100% de motifs, de persévérance, euh, d'envie de changer les choses, et même parfois eh ben de monter simplement eux-mêmes. Ça, c'est Roxana, qui est d'origine roumaine et qui est allée monter simplement à Cluj après avoir fait Simplon. Et ça, on aime bien ce principe d'auto-réplication. Ou Rodolphe, qui au bout de la première promo, eh ben, et lui-même allait donner un cours de langue, sans mauvais jeu de mots, euh, par rapport à la photo, un cours de langue, donc allait former à la programmation, ben, les jeunes de villeneuve la garenne Vous savez, ceux qui donnaient les cours euh, aux élèves d'HEC, et qui donnaient aussi parfois des cours à des jeunes de l'école de la deuxième chance, d'Impulsion 75, pour les sensibiliser à ces métiers. Voilà, et Rodolphe a été ensuite formateur à Simplon-Mars, donc Simplon-Marseille. Et là, aujourd'hui, c'est l'un de mes bras droits au niveau de la pédagogie. Grand showman, celui-là. Parce que tout de suite, quand on doit apprendre la programmation informatique, au-delà du contenu pédagogique, euh, la personne qui vous la transmet, ça joue beaucoup. C'est-à-dire que quand tu te retrouves avec un formateur, on va dire, un peu, un peu scolaire, c'est pas pareil que quand tu as Rodolphe qui te fait, non, mais il n'y a pas de souci, attends, je vais t'aider. Non, mais t'es sérieux non, ça, ça, Mais tout de suite, on, ça, ça met un peu en action la formation. Sachant que nos méthodes pédagogiques, enfin, on n'invente rien, hein, c'est du learning by doing, l'apprentissage par le faire, par la, par la pratique. Learning by teaching, mettre les apprenantes et les apprenants en position d'enseignants, de, de retransmission du savoir. Comme dit Benjamin Franklin, je ne me souviens jamais de la citation exacte. mais En gros, tu me dis, euh, je comprends, tu m'enseignes, je me souviens, et tu m'impliques, je retiens. Et ça, le fait que les apprenantes et les apprenants. Soit souvent en situation de transmission, que ce soit entre eux, que ce soit sur des forums, que ce soit avec des enfants, que ce soit avec des jeunes de l'école de la deuxième chance ou que ce soit avec le directoire d'un groupe du CAC 40. Euh, ça fait que ça valorise déjà une posture des dents, ça matérialise vachement mieux ce que tu fais, tu te rends compte de là où tu as des, là où as des, des failles. Et en fait, c'est un peu comme apprendre une langue. Hein. Une langue, quand même, qui a une logique. En fait, c'est un mélange entre apprendre une langue et la logique. Et quand tu le mets en pratique, eh bien, au bout d'un moment, il y a des réflexes, des systématismes qui se créent. Et dernier point sur le langage, c'est que on en profite pour voir si notre méthode, notre pédagogie, notre approche ne peut pas se répercuter, s'appliquer à d'autres champs d'investigation. Parce qu'au final, ce qui a permis qu'on fasse ça dans le développement web, en 2012, on a commencé en 2013, mais on a eu l'idée en 2012, c'est bien sûr le fait qu'il y ait la commoditisation des moyens de production logiciels, qu'il y ait des langages plus accessibles comme Ruby, mais c'est aussi le fait qu'il y ait toute l'info à dispo en ligne. On n'aurait pas pu faire Simplon en 2004, c'était encore trop le Far West. On aurait fait du PHP, les forums auraient été, il y aurait eu de la doc, il y aurait eu des forums, mais ça aurait été plus galère qu'aujourd'hui où tu prends une GEM, hop, tu fais de la géolocalisation, donc forcément, tu peux être opérationnel en six mois. Et au final, étant donné qu'on est dans le développement web et que c'est très développé, ce partage de connaissances en ligne, ça fait qu'on peut faire simplon. Mais on se demande si l'école de demain, au final, ce n'est pas un lieu où on t'apprend à apprendre, d'une part, sachant que là, on est même sur des programmes de reconversion de salariés dans des grandes entreprises qui sont un peu sur le carreau, des assistantes, des assistantes par exemple, pour digitaliser leurs pratiques, et c'est les simploniens qui vont les former. Donc apprendre à apprendre, apprendre à chercher, apprendre à tester des solutions, apprendre à se débrouiller, notamment via le langage et la, le langage spécifique sur Internet, pour trouver des solutions, pour pouvoir apporter de la valeur via cet outil numérique. Et est-ce que l'école de demain, n'est pas aussi un lieu où, un peu comme un tiers lieu, un espace intermédiaire, un fablab, j'en sais rien, bah les petits et les petites puissent tester tout un tas de compétences et puissent euh, être guidés pour se poser les bonnes questions et pour pouvoir avancer par eux-mêmes, en autodidactie encadrée. En tout cas, au cœur de tout ça, il y a cette question de langage, et le prochain chapitre, c'est que simplement, on va essayer de muscler son, sa dimension éducation populaire, en ce que, après 18 heures, il y a la deuxième journée qui commence, et c'est là qu'on aime bien quand tous nos apprenants débattent, parlent de religion, parlent de société, sachant qu'il ne faut pas nous lire comme une formation réservée aux jeunes des quartiers, déjà j'aimerais bien savoir ce que c'est qu'un jeune de quartier euh, on essaie vraiment de faire afin que chaque promotion aille de bac plus 5 à des personnes qui n'ont pas le brevet des collèges. On aime bien quand il y a des personnes qui sont d'origine sociale, religieuse, euh, culturelle, complètement différentes, et qui se retrouvent à travailler ensemble et à se connaître comme ça, ou par des formats ludiques aussi, serious game. Et le soir, ben là, on passe à des conférences, que ce soit sur le SS, que ce soit sur l'innovation de rupture en mode Silicon Valley, que ce soit sur le droit social, que ce soit apprendre à lire une fiche de paye. Et là, il y a vraiment une question de langage. On aime bien te challenger, dire quoi s'il y a la révolution, y vas C'est quoi la révolution Ah oui, c'est eux, c'est qui eux Et euh, enfin poser la question à chaque fois de oui, mais c'est quoi ça C'est quoi ça C'est quoi ça C'est quoi ça, quoi, ça Et on se rend compte que c'est une manière de reprendre la main sur euh, des concepts qui parfois euh, trahissent euh, ben, quand même le fait que le langage nous échappe. Alors je dis pas qu'il faut être tous codeurs. Par contre, je me dis que reprendre la main sur le langage, notamment via une attitude qui consiste à apprendre à apprendre et à chercher à confronter ses sources avec tout ce qu'on a à disposition, c'est peut-être quand même un antidote contre beaucoup de mal. Merci. Merci beaucoup.